أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم صلاة والسلام على في كلك الله محمد الفاطح لما أقولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والعلي إلى صراطك المستقيم وعلى على خدر ومقدار العظيم إقوات العيزاء إقواتي في الله أكوكم الهج بنغل جابي والذي يريد أن يتعدس معكم اليوم دياب brother and sister في الاسلام aujourd'hui encore, ça c'est Si tu attends sur Tul Fatiha, c'est le surah qu'on lit chaque jour quotidiennement dans nos prières. Donc, Fatiha, dans le courant, le Fatiha a été divisé par sept. Aujourd'hui, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est-à-dire, lorsque vous avez un nouveau-né, vous avez un enfant, j'ai toujours dit et je le répète, la vie d'un enfant. Dans la main de Dieu. La vie d'un enfant dépend aussi de ses parents. Si tu as des enfants, essaye toujours de regarder l'étoile de tes enfants. Essaye de faire des sacrifices qui va avec leur vie. Inch'allah, summa inch'allah. Par la grâce de Allah et le sacrifice que tu vas faire, la vie de tes enfants seront bénie. Vous avez dans la vie d'aujourd'hui c'est une compétition. Tout le monde veut être premier, tout le monde veut être à la hauteur. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'arriver. Si toi tu veux être le premier, il y a dix personnes derrière toi qui veulent être le premier aussi. Si tu veux que ton enfant devienne footballeur, il y a dix personnes à côté de toi aussi qui veulent que son enfant, leurs enfants deviennent footballeurs. Si tu veux devenir riche, il y a dix personnes à côté de toi aussi qui veulent devenir riches. Donc nous tous, nous avons nos destins. Mais comme on ne sait pas ce que demain nous réserve, on est obligé maintenant de passer par beaucoup de prières, par beaucoup de sacrifices pour que Allah puisse bénir notre vie. Vous avez un enfant qui est né. Aujourd'hui, si vous avez un enfant, votre enfant, s'il est né le lundi, D'abord, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez écrire surat Fatiha, complet, six fois. Septième fois maintenant, vous allez écrire Fatiha, complet, septième fois. Et vous allez écrire, s'il est né le lundi, vous allez écrire l'ayat qui correspond à le jour où il est né. S'il est né le lundi, Alhamdulillah, Alamin, c'est son ayah.

Qu'est-ce que vous allez faire? Alhamdulillah, vous allez écrire ça 100 fois. Ajoutez le 7 que vous avez fait. C'est-à-dire, vous avez écrit Fatia complet 7 fois. Et maintenant, l'ayat qui correspond à le jour de sa naissance, vous allez répéter ça seulement 100 fois. S'il est né le lundi, vous avez écrit Fatia 7 fois. Et maintenant, vous allez prendre encore Alhamdulillah Rabbil Alamin, parce que l'enfant est né le lundi. Et vous allez répéter Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, écrit sur l'ardoise 100 fois. À chaque fois que vous allez écrire Alhamdulillah Rabbil Alamin, il y a le mime là. Il y a le mime là. Le nom de l'enfant doit être écrit à l'intérieur du mime. Le nom, son nom doit être écrit aussi à l'intérieur du mime. Jusqu'à 100 fois. S'il si est né le mardi, son nom doit être écrit dans, à l'intérieur du mime. Arahim, son nom doit être aussi écrit dans, à l'intérieur du mime. Ça, c'est pour le mardi. Le mercredi, Mali mime ici, son nom, mime aussi ici, son nom. 100 fois. Maintenant, s'il si est né le jeudi, il n'y a Wa, pas Mimou ici. Donc son nom doit être écrit à l'intérieur de Wa, 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 jusqu'à 100 fois. S'il si est né de vendredi, et al mimou là. On écrit son nom là. Mimou là aussi, on écrit son nom là. S'il si est de samedi, on a écrit son nom. Sirat al-Lezina an amta Mim qui est là. On a écrit son nom là. Alei him. qui est là aussi, on a écrit son nom à l'intérieur de Mim. 100 fois. Si il est de dimanche. Rairi, al Makutub Mim qui est là. On a écrit son nom là. Alei him. qui est là aussi, on a écrit son nom à l'intérieur de Mim. Et on prend ça. Pendant sept jours, on lave l'enfant avec. Ils boivent. inshallah Souma cet enfant-là sera protégé pendant toute sa vie. Cet enfant, personne ne peut hypothéquer son avenir. Cet enfant, il n'a pas de problème avec les sorciers. Cet enfant, il n'a pas de problème de mauvais génie. Cet enfant n'a pas de problème avec mauvais esprit. Inch'Allah, Souma InshaAllah, à chaque fois que cet enfant va répéter Fatia, quotidiennement, une fois par jour, la bénédiction de le, sept, le, le, jour, le travail que tu as fait le septième jour. Là. Dieu le ramène ça comme une protection pendant toute sa vie. C'est très très important. Aujourd'hui, nous sommes très préoccupés par l'argent. Et on oublie aussi les enfants. Les enfants sont innocents. On doit tout faire pour qu'ils deviennent quelqu'un demain. Là, au moins, une fois que ton enfant devient quelqu'un où il a réussi sa vie, toi aussi tu as réussi à ta mission. InshaAllah ke guide guide nos enfants. Ndou ka ule nya ira ira kwa. Amba de mai, mala fatia chke tuwa min ira irante ni ka fatia tala, awala bena uroumvla lima, eh, tenelunta uleni, trata lunta uuleni, arabalunta uuleni, aramsa lunta uuleni, djumalunta sanbedi taalen nin dimansi taalen nin n'ala ka den di ma i jija ye, ye faatiya sɛbɛ siɛn woron fila ni ka faatiya sɛbɛ siɛn woron fila o na si ni ya den ka jigi ka bɛ lo min ma y' a ya ta n'a ka bɛ tɛne lo nin ma y a rahmatulahi sɛbɛ siɛn kɛmɛ a kelenkelenna bɛɛ la mimu minnu yanni kɛ mimu minnu yanni ye den tɔgɔ sɛbɛn olu kɔnɔ n'a kana bɛn a raama nin ma mimu minnu ya a kɔnɔ ye den tɔgɔ sɛbɛn olu kɔnɔ mimu tɛ yɔrɔ kelen pe mi, ke mi nɔ no, wele aramisalon ta ye aramisalon ta o ta tɔgɔ sɛbɛra den tɔgɔ sɛbɛra waale kɔnɔ k'a datugu. E isiyɛn kɛmɛ e ka nasi fara woro in fila kan a y'a kɛ k'a di de man, ka den ma a jiginni ngula fo ka taa k'a tere woro in fila ban. o ka kɛ den de la ala be denw ta kabɔ mɔgɔ juguyi tɔrɔ ma jangaro jugu ala be den taŋa kabɔ a ma.

الصراط فأنا يبصرون او ايا جناي ايا فلانا كودي كفجعلناه سميعا بصيرا او ايا فلاناي هيا سبنا كدي القاه على وجه فارتدى بصيرا القاه على وجهه فارتدى بصيرا او سوره يوسف لكونو aya mini o suratu in sanule kɔnɔ aya filanan aya peremiye o suratu yasire kɔnɔ biwɔɔrɔ ani wɔɔrɔ min a laban na nin o suratu yusufule kɔnɔ biwɔɔrɔ ani seegin. insha allah suma insha allah aya miniwuni nii den ka k'i bolo y'a den marajigi kula ye a yala mɛkanya dɛ de, den marajigi kula ye denwulani y'i bolo ama karo kelen sɔrɔba i jija aya mini ya sɛbɛ. ka nasi bɔ siɲɛ kelen ye den tɔgɔ dya dengulnimi oan tɔɔsɛbɛ imu mi kɔnɔya y'jija y'a sɛbɛ siɲɛ kelenpe n' o kana, mi no kana bantuguni haya flana y'o fana nasi bɔ mimu min o kɔnɔntɛ ye den tɔɔ sɛɛya nasi fabɔaiɛ l n'o kana bɔtuguni ahu aaiiasɛyss

n'i ka kɛ ka denkulani ko den mi matɛmɛ karo kelen kaba inshallahu su ma inshalah den mini kɛ a dunuyarɔtɛgɛrɔ kɛ ala ta ɲaminara den mini a dunuyarɔtɛgɛrɔ a tɛ sa kaa kɛ a toro gbere ye a be sa ni a ɲaye a be sa a toro mɛnni kɛra a b'a mɔgɔni fi ya bɛɛ kɛ ɲako ta mina yayisa ye kaa filɛ dnk ala an bɛɛ lajɛni bɛ an ze ma duu ka wole ɲayirayira Euh, Diablo sister, le deuxième Aya que je viens de présenter tout à l'heure, c'est toujours concernant les enfants. Vous avez votre enfant. Premier Aya que je viens de citer tout à l'heure, l'Aya se trouve dans Sura Tuyas, 66. L'Aya 66. Maintenant, il y a premier mime qui est là. Vous allez écrire le nom de l'enfant ici. Deuxième mime, le nom de l'enfant. a dit nom de l'enfant. Deuxième Soade, le nom de l'enfant. Un enfant qui n'est pas encore dépassé un mois. Deuxième Aya, vous allez écrire le nom de l'enfant dans le Mim, son nom aussi dans le Soade. Troisième Aya, vous allez écrire le nom de l'enfant dans le Soade qui est à la fin. Premier Aya se trouve dans Suratu Yassin. Deuxième Aya se trouve dans le Suratu Insan, numéro 2. Troisième Aya se trouve dans Suratu Yusuf, 96. Une fois que vous allez écrire ça, une fois, il y a un médicament qu'on appelle Kangaliba. Il y a des gens qui prononcent kengeliba. Il y a des gens qui prononcent Kangaliba. Les vendeurs de médicaments le savent très, très bien. Ça y est, un peu partout. Vous allez chercher ce médicament, mélanger avec l'aïa que vous venez d'écrire tout à l'heure. Broyez bien dans un calabasque. Et puis maintenant, lavez votre enfant avec. L'enfant qui n'est pas encore dépassé un mois. Inch'Allah, insh'Allah, Inch'Allah, cet enfant va passer toute sa vie. Il ne va jamais devenir aveugle. Cet enfant, pendant toute sa vie, il ne sera jamais soumis. Pourquoi Parce que l'Aya qui tu viens d'écrire pour le laver, c'est une protection totale. Pour tous ceux qui vont le pratiquer, que Dieu accepte nos prières. إن شاء الله سوما إن شاء الله مرمو نيكا سيكاكي ألا أنفا داما ألا أن بينا جيني أدين أكاندا ألا ألمان غو نيوما دي جيني ما بورو كونيكا فنغو دي مرو برا ورو كولا يي بسو كي ورو أقول أكبر لنكاتي مي ولا أي دين جين أيدو جي ألا أدي بانجال جابي ولي توقع فيديو كي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته